Parce que pour moi, c'est une occasion extraordinaire de montrer ces personnes, et en particulier des femmes, qui travaillent quotidiennement dans des usines, et en particulier une petite usine qui est près de chez moi en Normandie, dans laquelle je suis allée pendant un an. Mais aussi des femmes qui travaillent dans les usines à Calais, dans le milieu de la dentelle, et avec qui je crée un lien assez privilégié à long terme. Et donc ce sont des endroits dans lesquels je vais pas uniquement pour faire des photos, mais vraiment pour partager du temps avec ces personnes qui ont beaucoup de choses à nous apprendre et qui ont souvent une vision de la vie très poétique, simple. Et c'est l'occasion aussi de les montrer, de montrer ces visages, les visages de ces femmes, leurs gestes, leur présence, la façon dont elles se tiennent, dont elles se... la façon dont elles se consacrent à leur travail avec dignité. Voilà, parce que je photographie essentiellement, c'est vrai, des femmes à leur poste de travail. Parce que déjà, la plupart du temps, ce sont des femmes qui sont assises ou debout, mais en tout cas postées. Plus généralement, ce sont les hommes qui s'occupent de la maintenance, donc qui circulent à travers l'usine pour venir réparer les machines défectueuses ou porter des choses. Et ce qui m'intéresse, c'est voilà, la posture vraiment de ces femmes dans ces lieux de travail. Donc, je suis heureuse de pouvoir partager ces images avec des personnes dont j'admire le travail, des personnes qui m'ont inspirée, qui ont été en quelque sorte mes maîtres de travail. Voilà. Et aussi avec les autres, toutes les personnes qui sont intéressées par cette question de la culture et du travail, de l'art et du travail, comment pouvoir rapprocher des mondes qui ne se côtoient pas, qui voilà, comment changer le regard des gens sur l'autre, comment changer peut-être le regard de l'autre.